Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nini Beauté et Santé. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle brosse Hot Tool refaite. Elle s'est refaite une beauté, elle est super belle. C'est quoi la différence entre l'ancienne brosse séchoir Hot Tool et la nouvelle? C'est qu'elle est détachable, donc il y a un petit bouton ici, on tourne et hop! On peut aller la nettoyer super facilement. Vous avez du charbon à l'intérieur, ici au fond. Donc, ce que ça va faire, le charbon noir, c'est que ça va détoxifier les cheveux. Pour votre deuxième journée, c'est super. Ce que ça fait aussi, c'est que ça va aller donner de la brillance. Et vous avez deux sortes de poils à l'intérieur de la brosse. Donc, c'est parfait pour aller étirer les cheveux. C'est une brosse séchoir. Donc, pas besoin d'utiliser une brosse avec le séchoir, puis de tout être pris pour faire un beau brushing en salon ou à la maison. C'est comme super parfait. Vous avez aussi, qu'est-ce qui est nouveau, c'est que celle-là, c'est la 4.3 pouces. Pour un cheveu mi-long à long, c'est l'idéal. Puis, vous avez aussi la 3.7 pouces qui vient de sortir, qui est un petit peu plus petite. Donc, pour un cheveu qui est plus court, c'est merveilleux. La manière qu'elle est faite, c'est qu'elle est faite vraiment comme rectangulaire. Je sais pas si vous voyez, c'est arrondi, mais rectangulaire. Donc, vous pouvez aller faire plusieurs formes avec. Vous pouvez vraiment aller faire du volume en tenant les cheveux à 90 degrés et en tirant. Vous pouvez aller faire des boucles vers l'extérieur en séchant comme ça ici. Et vous pouvez aussi, si vous avez une coupe peut-être plus carrée, aller rentrer les cheveux vers l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Ce qui est intéressant aussi de cette brosse Hot Tool-là, en plus qu'elle sèche en même temps, c'est que c'est comme un séchoir. Donc, vous avez vraiment le off, vous avez le cool, vous avez le low et vous avez le high. C'est vraiment intéressant. Cool, low et le light. Le high, excusez. Donc, vraiment, là, c'est super le fun, beau produit. Là, moi, je viens de me coiffer avec. J'ai eu un petit problème technique. Ma vidéo ne s'est pas enregistrée. Donc, c'est pour ça que je suis coiffée. Je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je vous montre quand même comment ça fonctionne vite, vite. Je vous suggère toujours d'avoir les cheveux quand même épongés s'ils sont mouillés. Épongez-les comme il faut pour que ça soit moins long pour la mise en pli. C'est sûr que c'est pas aussi performant qu'un séchoir 1875 watts, mais je crois que ça a comme 1000 quelques watts. Donc, c'est quand même assez performant. Je vous dirais. Comme je vous dis, si vous voulez aller étirer vos cheveux, c'est comme parfait aussi. Donc moi, je mets toujours une protection thermale avant. Je mets un sèche vide, des choses comme ça. Donc j'ai mis un petit peu de Olaplex numéro 6, qui est un smoother qui va aller enlever les frisottés parce que je frise, mesdames et messieurs. Donc la manière de l'utiliser rapidement, vous commencez toujours par la nuque. Donc vous allez mettre une pince comme c'est ici. Et pour commencer, moi, je le mets toujours à high. Et vous séchez. Ensuite, vous allez vraiment par étage, puis à la fin, je vais vous montrer comment vous coiffer. C'est super intéressant, on peut aller donner une forme avec. Puis on a le cool qu'on va utiliser à la fin aussi, donc je vous reviens, ça ne sera pas très long. Donc par exemple, qu'on est à la fin, je le mettrai à l'eau. Et j'irai donner une forme à mes cheveux. Donc, on va tourner, ça sèche en même temps et on étire. Ce que ça va faire, regardez, ça fait un beau mouvement dans mes cheveux. Moi, je vais l'envoyer par en arrière parce que ça me dégage le visage. Pour moi, c'est plus beau. Et voilà. Et puis, pour ma frange, moi, ici, là, l'espèce de tupette, même chose. Je vais aller coiffer par en arrière et je vais tirer comme ça. Et voilà. Même chose pour le côté ici. Ça change une vie avoir une brosse comme ça, je vous dis, c'est vraiment le fun. Là. Ça l'empêche aussi de mettre le fer plat. Ça va vraiment comme tout éliminer les petits frisottis. Donc, une étape de moins ici pour le fer plat. Puis, tu sais, le fer plat, il faut faire attention pour l'utiliser trop souvent non plus. Là. Et voilà. Ça donne vraiment le cheveu super brillant. C'est aussi pour les gens qui prennent leur douche, là, même si on se fait un petit casque, on a toujours comme les cheveux assez humides. Fait que tu sais, quand on est juste comme un petit peu
comme mouillés, là, tu sais, les cheveux un petit peu humides, ben on va juste comme aller rafraîchir avec ça. Là, je vais mettre un petit peu d'Olaplex numéro 7. Il y a une protection UV à l'intérieur, une protection thermale aussi de 450, donc on peut en mettre avant le coiffage aussi. Et ça va aller hydrater les cheveux et réparer les petites pointes fourchues en même temps. Fait qu'écoutez, c'est la brosse Hot Tool réinventée, super le fun, détachable et tout. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez toujours me les écrire dans les commentaires. Si vous avez aimé la brosse ou moins aimé la brosse aussi, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Mais moi, j'adore ça. Pour vrai, ça fait une super de belle chevelure. Alors voilà, c'est super simple à utiliser. Gênez-vous pas, puis merci de vous abonner à ma chaîne et de me suivre pour tout connaître sur les nouveautés, beauté et santé. Salut, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye bye.